Oui, même en temps normal. Même en temps normal, oui. Est-ce que le moment est le mieux indiqué? J'en sais quelque chose. Allez-y, pour avoir été pendant 8 ans. Je sais que parfois c'est compliqué. Ouais. Et souvent, c'est. Toutes les fois, c'est quand compliqué. Ça arrive dans cette situation, parfois, vous faites. Hein. Moi-même, j'ai été directeur, mais toutes les fois, c'est compliqué. Oui, souvent, c'est un deal qui se fait. Je ne sais pas si la direction s'est comprise avec le travailleur, parce que ça peut se passer comme ça. Je ne sais pas le modèle de fonctionnement à 6. Mais le plus souvent, vous pouvez voir par exemple des médias où les journalistes ne sont pas payés, mais des journalistes qui, à retour, sont permis de faire tout. C'est-à-dire. Si vous voulez faire des deals, prendre de l'argent à gauche et à droite, ça, c'est une manière de compenser le salaire que vous devez recevoir à la fin du mois. Quand vous étiez non, directeur? Je suis en train de donner un exemple. Non. Je ne l'ai jamais fait. Non. Cet exemple-là, je suis en train de donner un exemple. Il n'y a pas ce journaliste reporter en Guinée qui peut te dire qu'il n'a pas fait l'alimentaire sur le terrain. Attendez, je sais, nous l'avons vécu. Je le dis encore. Tous les journalistes avant d'être directeur, j'étais d'abord reporter. Stagiaire reporter. Tout, c'est, je trouve ce propos excessif. Oui. J'ai pas compris. Dire qu'on ne les paye pas, mais ils sont permis tout. Non, quand je dis permis excessif. Non, quand je dis permis tout, peut-être que c'est exagéré. Non, pas peut-être excessif. Oui, d'accord. Ok. Tout doit être fait dans les Règles de l'art. Bah, permis tout. Quand je dis tout est permis. Dans l'éthique et la déontologie. Non, c'est pas. Pourtant, c'est pas le cas. Ouais. Pourtant, c'est pas le cas. Je le dis en connaissance de cause. C'est pas le cas. Justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes dans le métier. Ouais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi, comme il l'a dit. Il y a ces reporters qui se permettent de faire tout sur le terrain parce que tout simplement, ils n'ont pas de salaire à la fin du mois. Nous ne sommes pas, n'ont pas de salaire à la fin du mois. Et le fondateur ou le directeur se laisse aller parce qu'il ne veut pas perdre le journaliste. Il fait son affaire, il tient au moins ses émissions, il les fait très bien et il n'a pas les moyens de les payer. Donc, puisqu'il n'a pas les moyens de les payer, il faut accepter aussi en contrepartie que le journaliste se permette de racketter ou, une fois allé sur le terrain, l'argent qui est amassé là, il met dans sa poche. D'accord. Et ça, on a vu ça. Donc, je ne sais pas le modèle de fonctionnement, si c'est le cas à 6 ou pas, parce que je ne sais pas si l'argent qui est payé bien avant les 18 mois, est-ce que ça venait directement du fondateur ou est-ce que ça venait des recettes du média. Là aussi, à ce niveau, il faut s'interroger parce que 6 n'est pas une radio. C'est un média thématique. Exactement. C'est pas une radio généraliste. C'est pas un média généraliste comme Diomand ou encore Adafo ou encore Film. Où on peut se permettre d'avoir des partenariats par-ci, par-là. Non, mais ça fait rentrer aussi, des sous. Partenariats. Oui, mais pas comme les autres médias. Ouais. Quand vous prenez par exemple quelques sponsors, c'est un choix aussi. Des émissions. C'est un choix. Exactement. Et quand c'est comme ça, même en temps normal, ça peut faire des problèmes lorsqu'il est question de faire des recettes. D'accord. Et si vous n'avez pas des recettes, au-delà même des dépenses, nous savons, lorsque vous avez une télé, les dépenses sont énormes. Carburant, etc. et tout ce qui s'ensuit. Le plus souvent, ce n'est pas facile, même si vous faites des recettes, d'amortir les dépenses. À plusieurs raisons, maintenant, quand vous êtes dans une situation compliquée, où vous avez une ligne éditoriale qui ne vous permet pas de faire des reportages, des magazines grand format ou encore des partenariats pour faire entrer plus de sous, le problème se pose. Maintenant qu'on se trouve dans une situation pire aujourd'hui, où même étant dans une situation normale, on ne peut pas faire des recettes, après votre raison qu'on soit dans une situation de ce genre, c'est compliqué pour un média. C'est comme compliqué, si... ouais. Maintenant, ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce problème. Et moi, je suis désolé, comme il l'a dit. Et c'est une question quand même qu'on a toujours posée. Lorsque vous êtes dans un média, d'accord. Vous faites 18 mois, vous n'êtes pas payé, ouais. Vous n'avez pas réclamé, vous n'êtes pas parti. Et vous continuez à rester, ça veut dire qu'il y a un guille sous roche. D'accord. Donc ça implique davantage ce que je venais de dire tout à l'heure. Ah oui, allez-y, c'est qui t'as en deux minutes. De passage, je tiens quand même à préciser que 18 mois, c'est beaucoup tous les reporters n'ont pas été journalistes alimentaires. C'est important. Ça, c'est une précision qu'il faille apporter. Ouais. Prendre du transport sur le terrain et arnaquer. Le général est là. Je t'ai écouté. Non, je sais qu'il y a des exceptions. Voilà. Non, est-ce que je sais qu'il y a des exceptions. Voilà. Il y a des exceptions, mais le général, c'est ça. Donner, prendre, ne veut pas dire quoi. Non, je vous assure, le général, c'est ça. Non. Non, la preuve est qu'il y a combien de médias aujourd'hui. Il vous a suivi là, il vous a écouté. Il a parfaitement raison. Non, il vous a écouté. Vous faites du bon travail. C'est quoi? Vous faites du bon travail, on vous donne de l'argent. Laissez-le évoluer. Allez-y. Mais allez,
escroquer, justement, je veux dire, escroquer, arnaquer, mettre la pression sur les gens, faire des faux dossiers ou venir. Non, ça, c'est autre chose. Mais sinon, quand vous travaillez, vous faites convenablement. Ça, c'est sanctionné par la HAC. Mais bien sûr, sinon, vous faites convenablement votre travail. Et tout travail bien fait. C'est la logique qui veut récompenser. Je pense que ça, c'est une chose. On a connu, on a même connu des gens. C'est important. On a même connu des gens, des reporters qui ont. C'est même quand ils viennent, même le transport, ils n'attendent pas. Certains, c'est par Orange Money, on les renvoie. Ou d'autres, toi-même, tu es au courant. On t'a une fois appelé pour te dire grand merci. Et qu'il y a un toutes les fois, toi, on félicite les journalistes de la rédaction. Justement, ça dit quand ils finissent, ils rentrent. Parfois, toutes on te fait un dépôt à distance. Le directeur après, général peut confirmer. Ou après diffusion de l'élément, on peut t'appeler. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est un aspect. Le second, c'est pas ça. Le second, c'est que toi, il n'a pas eu la chance de travailler dans des médias sérieux. Justement. Allez-y. Le second aspect que je voulais, c'est que. Je le sais, c'est de façon générale. On a tellement traité de cas comme ça. Je vous assure, raison, c'est un cas général. Non, tu as raison, d'accord, tu as raison. Maintenant, par rapport à cette situation, vous savez, c'est très compliqué. Il arrive des moments où les patrons de médias sont partagés entre deux choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de payer les gens et vous n'avez pas non plus envie de voir, en fait, de, disons, les mettre à la porte où il y en a qui n'ont pas où aller, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais ce qui peut être important, c'est que quand... Justement, je veux dire, en fait, il y a, justement, de partir... il faudrait que les choses soient quand même formalisées comme il le dit. Mais c'est quand vous qui êtes à la place, vous décidez difficilement. Oui, je vous connais un peu. Il faut forcément être. Non. Lui qui dit là que le choix est vite fait, vous le mettez à la place de ceux qui sont là-bas là. Il ferait. Je le connais un peu. Il va défendre d'autres. Non, dire que le choix est vite fait et choisir. Il y a une grande différence. Et puis, il y a Djoman, les gens sont régulièrement payés. Peut-être le peu de temps qu'on traverse. Ça, c'est important de le signaler. Oui, non, c'est important de dire d'accord. ça. Djoman, les gens sont payés, contrairement à d'autres médias. C'est une exception compliqué. Qui est faite pour le temps que le média est en train de traverser. Moi, je vous dis que je ne suis pas payé depuis plusieurs mois à Djoman. C'est ce que je voulais te dire. Non, ce que vous dites là, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est différent de 18 mois. Non. D'accord. Ce que vous dites, ce n'est pas la réalité. Il faut, si on doit se dire les vérités, il ne faut pas qu'on se mente. Voilà. Actuellement, tout le monde n'est pas payé. C'est ça la réalité. Je vous le dis en tant que directeur de l'information. Ouais, mais si ce n'est pas non, que ces vous n'avez pas là, suffisamment d'infos. Les gens ont toujours été payés quand non, même. Tout comme ailleurs également. Tout comme ailleurs. Les gens ont quitté Chéri pour 6. 6 était le média qui de grande attractivité. 6 a été le premier média à fixer le salaire des journalistes à un niveau élevé. C'est ça aussi la réalité. Les gens sont partis de Chéri pour. Ça, je le sais. Chaque média, c'est réalité. Aujourd'hui, avant, à partir du 25 à Djoma, les gens étaient payés. Mais la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Ouais. La donne évolue. Ça a évolué. Exactement. Au moment où les gens quittaient Chéri pour Djoma et pour 6, les gens étaient encore bien payés à Chéri. Tout le monde était payé à partir du 25. On demandait même à partir du 15, quels sont ceux qui veulent être payés. Il y avait moitié salaire, tu viens, tu prends. Mais la donne a changé. Voilà. Avant, là-bas, à Évasion, c'était la même chose. C'est bon. Du temps du faux de Sylla, les gens étaient régulièrement payés. D'accord. Mais va aujourd'hui à Évasion. C'est pas la même chose. Autre j'ai temps, appartenu à toutes merci. Les grandes rédactions des médias privés. Ça, je vous le dis. Voilà. Alors, globalement, donc, il faut reconnaître que les médias sont confrontés en général à des difficultés. C'est vraiment une triste non, réalité. C'est fini. Pourtant, le débat doit être clos. Mais ce qu'on veut dire, d'accord, mais un peu de mots. On va passer. On va passer. D'accord. Maintenant, mais un peu de mots. Je pense que quand il y a des situations comme ça, l'élément central, c'est la communication. Exactement. Il faut rencontrer les gens, faire la situation. Et en fonction de là-bas, parce que quand vous faites l'état des lieux, c'est-à-dire ce qui rentre, ce qui est disponible, ce qu'il faut pour payer les gens, ce tableau est connu de tout le monde, tout de suite, ça vous facilite les choses. Ouais. Et là, vous pouvez soit vous partez progressivement, ou vous dites aux gens, à ce stade, on ne peut pas vous payer. Ouais. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en ce que vous faites, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Mais si vous pensez que vous pouvez travailler avec nous dans ces conditions-là, dans l'espoir que quand les choses s'améliorent, qu'il y ait une sorte de rappel, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, on ne va pas vous en vouloir. On va se battre pour payer ce qui a été fait. Mais vous arrêtez de travailler, c'est quand même important. Non, en fait, j'apprends, hein, parce que je ne sais pas, je n'avais pas compris que les journalistes n'étaient pas payés avant. Moi, je pensais que les questions de salaire, les difficultés de salaire en général étaient dues dernièrement à ces histoires de brouillage, de décrochage de canal, etc. Mais je ne savais pas que
il y avait que de manière générale non, comme de ça, manière générale, les journalistes même ailleurs, les médias privés ne peuvent pas couvrir leurs charges. C'est ça la vérité. Alain Foucault a fait une émission il n'y a pas longtemps. Il a dit le montant que la France débourse pour France 24. C'est colossal, ça, c'est ça, abyssal. Ça a commencé aux années de Mitterrand. Ça fait même les grands médias, que ce soit BBC, années, Canal. Ouais. Canal prend du côté. Tout le monde paye, hein, tous les citoyens. Exactement, c'est tout le monde qui paye. Ouais, ça fait, malheureusement, le mode de financement, c'est le mode de financement qui n'est pas bien passé. Quand vous parlez de France, le modèle économique, justement, ça peut bien marcher quand l'économie est dynamique. Exactement. Ça peut bien marcher. Il y a des médias privés qui marchent bien ailleurs. Bien entendu. Non, aux États-Unis, on a la NCI en Côte d'Ivoire. Oui, mais même la NCI s'adosse. On a sur la présidence de la République, on a la première dame. Oui, non, c'est pourquoi j'ai dit. Mais ils ont des publicités, ils ont des. Bien entendu. L'économie est dynamique. Oui. Au Sénégal, avec la télévision. Deux STV. Oui, qui a même des hélicos. Donc, qui a tous les moyens. Voilà, ça c'est. Deux STV, une vingtaine de plateaux. Mais si vous devez demander pour avoir des publicités. Si Dioma aussi n'avait pas été asphyxié, je parie qu'on ne sera pas là où on est aujourd'hui. Oui, mais justement, c'est le cas Dioma. La conquête. Parce qu'à Dioma, Dioma aussi était financé par. Par une autre. Dioma était une filiale. Voilà. Bien Chéri, sûr. C'était la même chose. Oui, bien filiale sûr. De SGI. Et oui. Tous les grands médias privés sont toujours filiales d'un groupe qui les finance pour pouvoir progresser. Oui, bien sûr. Parce que le marché de la publicité, il est étroit. Ce qui est obligatoire ailleurs, ici, ce n'est pas le cas. Non, il y a deux conceptions. Oui. Le modèle anglo-saxon qui réussit bien depuis les années Lincoln, du côté des États-Unis. Je pense qu'il y a une loi spécifique pour toutes les grosses entreprises qui doivent communiquer. Il y a un pourcentage qui est dédié aux médias. Ouais. Donc, c'est pour permettre aux médias de pouvoir respirer, de pouvoir tenir un peu les différentes charges. Avec le modèle francophone, ça a commencé du temps de Mitterrand. Et ça a été même d'ailleurs une grosse surprise avec un président socialiste qui vient donner de l'élan et qui vient redresser des médias qui étaient en grande difficulté, les médias français qui étaient au nombre de deux. Et après, il a réussi un plan en les éclatant au nombre de quatre. Donc, on parle de Europe 1, de TF1, j'ai oublié les deux autres médias. Donc, c'est à partir de là que les gens ont compris qu'il faut véritablement qu'il y ait un soutien. Pour preuve, quand on a, avec Philippe Lagadère, en 2010, quand on lui a retiré tous ses marchés portuaires en Afrique avec Jetma, vous avez vu le JDD, le journal de dimanche, vous avez vu la fight qu'il a couru, vous avez vu finalement il était obligé. Et qu'est-ce qui a permis à Bolloré, avec ses différents médias de caracoler? C'est parce qu'il a pu bénéficier des marchés. On sait tous que la réalité, aucun média ou aucun média ne peut ne peut prospérer sans une aide extérieure. Ouais. C'est une évidence. Sans aujourd'hui, le métier de journaliste, ce noble métier, c'est un métier qui ne nourrit pas son homme. Ouais. Tout journaliste qui vient dans ce métier pour s'enrichir, c'est soit par malhonnêteté ou par tricherie. Mais on ne peut pas s'enrichir dans ce métier parce que d'abord, le salaire n'est pas garanti. Le salaire, il est volatile. C'est en fonction des intérêts ou de la santé financière du PDG. Ça, c'est un. De deux, on sait qu'on est dans un contexte où les marchés, on n'a pas cette culture. Les commerçants ne communiquent pas, les entreprises ne communiquent pas. La culture de la communication. On ne les contraint pas également. On ne les contraint pas. Donc, d'accord, il y a on pas va avancer. Cette facilité Habib, qui Marwan, est faite. Donc, je pense que du côté de six médias, il faudrait qu'on ait raison gardée. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, la réalité qui couvre tous les médias, c'est la même réalité qui est du côté de 6. Ouais. C'est bien avant, mais il ne faudrait pas quand même qu'on fasse de la surenchère. Quand c'est Antonio Soares, on sait qu'est-ce qu'il a été dans le pays, il faut le jeter en pâture. Mais vous avez rappelé un point très essentiel. Hier, tout le monde courait vers 6 médias. La donne a changé. Autre temps, autre réalité. Donc, autre réalité.